Coucou à tous, alors on se retrouve pour un haul Action, H&M et un peu de Primark, un peu de tout. Alors je vous montre ce Tipeee, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré, plutôt si vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, dans les arrivages Action. Donc voilà, je l'avais pris. J'ai choisi cette couleur, il y avait aussi du rose, mais je préfère celui-là, comme ça il est mixte. Donc j'ai pris aussi un petit attrape-rêve. Donc la trappe-rêve était à 99 centimes. Donc le montage, j'ai mis 3 minutes à peine. C'est vraiment comment dire, du bois que vous assemblez. Voilà, donc il y a la petite porte avec le petit scratch. Donc, après, je pense que j'essaierai de redéfaire, parce qu'il y a une petite ficelle là pour attacher le tout. Je pense que je vais essayer de le détacher et de mieux serrer, parce que je trouve que c'est un peu, enfin c'est pas assez tiré. Alors je sais pas si je l'ai pas bien ficelé là-haut, donc je le referai après, mais je voulais vous faire le haul là avant pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. C'est vraiment sympa, hein, vraiment très joli. Voilà. Et donc à l'intérieur, il y a tout ce que j'ai acheté. Alors on va commencer par Primark. Alors j'ai acheté des petites bougies comme ça. Central Park. Donc celle-ci sent la vanille. Oui, la vanille. Elle sent super bon. J'en ai pris. Alors oui, voilà, je vous disais, donc c'est vanille. Voilà, donc après j'en ai pris une. Donc je vous disais, donc. Elle est à 1 euro au lieu de 3. Elle sent vraiment très très bon. Donc j'en ai pris une deuxième. En plus, je trouve que au niveau déco, elle est aussi super belle. Je ne sais pas si vous connaissez du coup la série Friends. Voilà, en fait, Central Park, c'est le café où ils vont tous se réunir. Et celle-là, si ça, alors je ne sais pas du tout. Elle sent senteur marine, on va dire. Voilà, pareil. Ensuite, à Primark, je vous l'ai montré dans la vidéo. J'ai pris une petite salopette comme ça pour ma fille. Voilà. Donc avec des poches à l'arrière. Alors à 2 euros au lieu de 10. Donc je me suis dit là pour cet été, ça va faire très bien pour qu'elle puisse traîner même à la plage ou même si après elle l'abîme, c'est pas un souci, hein. Ensuite, je vous ai dit, je pensais qu'aux enfants. J'ai acheté une guirlande comme ça pour accrocher des photos. Voilà, donc 1 euro au lieu de 4. Ça va aller dans la chambre de mes enfants. Ensuite, alors, j'ai pris des miroirs comme ça. Donc c'est Winnie l'ourson à 1 euro au lieu de 7. Donc après, honnêtement, Winnie l'ourson ou pas Winnie l'ourson, un miroir est un miroir pour ma part. Donc il est comme ça. Voyez, il y a des petits dessins Winnie l'ourson. Voilà, donc j'en ai pris deux pour décorer dans sa chambre. Ensuite, j'ai pris un petit mug comme ça pour le café. Hein. Donc voilà, je trouve vraiment très très joli. Très joli. Et puis 1 euro. Donc c'est le mug qui tient le café au chaud. Café, ça peut être du café, du thé ou de la soupe. Hein. C'est pareil. Je voulais vous montrer. Il y a un petit truc là pour. Voilà, pour agripper. Voilà. Donc il y avait vraiment différents modèles. Il y avait différents motifs et couleurs. Ensuite, alors j'ai pris ça. C'est des petites lumières, des petites LED. Donc avec la tête de Mickey. Donc en fait, j'avais pris ça pour mettre dans la chambre de ma fille. Donc j'en ai pris deux. Donc. Ils sont à 50 centimes au lieu de 3,50 €. Et donc, en fin de compte, là, quand j'ai vu le Tipeee, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un et je vais mettre comme ça le long du Tipeee.
Voilà, donc pour 50 centimes, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris une gourde. Alors, c'est une vraie gourde qui garde l'eau au froid. Voilà, pour avoir de l'eau fraîche. Alors, j'ai acheté ça parce qu'en été, on adore faire de la randonnée. Hein. Et ce genre de gourde, quand vous allez chez des magasins de sport, c'est assez cher. D'ailleurs, celle-là, elle était à 8 euros. Et je l'ai payée 1 euro. Donc, c'est vraiment une vraie gourde qui tient l'eau au frais. Et en plus, c'est Call of Duty. Donc, bien sûr, bon, je ne l'ai pas vraiment pas pris pour ça, mais je l'ai pris vraiment parce que ça a l'air d'être de la qualité et pas cher. Alors ensuite, on va passer à l'action. Donc, j'ai pas pris grand-chose. Enfin, si, je vous ai montré, bien sûr, le Tipeee. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné le prix ou pas du Tipeee. Il est à 18,95 €. Donc j'ai pris, pas gourmandise, un petit mélange de noix, comme ça. Donc j'aime bien amandes, noix de cajou et noisettes. Ensuite, alors, je vous l'ai montré aussi dans une des vidéos de Action, j'ai pris cette petite palette pour la tester. Voilà, pour voir les différentes couleurs. Si on arrive à voir. Voilà, elle a l'air vraiment très sympathique. Puis en plus, enfin, la texture est vraiment agréable. Donc, elle était à 2,99 €. Et ensuite, j'ai pris cette petite panière. Et puis du coup, ben, je pense que je vais la mettre en déco peut-être à côté du Tipeee parce qu'elle fait, elle va dans le thème, je trouve. Elle est vraiment très sympa. Donc, à la base, je l'ai pris pour la mettre à côté de mon canapé. Vous savez, pour mettre les plaies ou les plaides à côté du canapé pour toujours savoir où sont les plaies. Voilà, donc il y a différentes couleurs. Donc, celle-ci en noir et blanc et puis il y en a d'autres avec des pompons de toutes les couleurs. Donc, voilà, donc là, le panier était à 2,99 €. Alors maintenant, je vais vous présenter les petits hauts que j'ai achetés à H&M. Je me suis acheté 3 petits hauts. Le premier, comme ceci. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du bio. Voilà, coton bio. Voilà. Et donc, il a 5,99 € au lieu de 9,99 €. Donc, voilà, il a 3 petits boutons devant. À l'arrière, il est simple. Voilà, donc les manches. C'est des manches 3/4. Donc, c'est des petits oiseaux et des fleurs. Voilà, donc je pense mettre ça avec un petit jean. Voilà. Le deuxième haut. Un petit haut comme ça, pareil, c'est le même, vraiment le même style que le premier, hein. C'est des petits hauts chemisiers, hein. Donc manche 3/4. Donc celui-là, il est un peu couleur beige, beige assez clair, manche 3/4. Donc, à l'arrière, pareil, hein. C'est vraiment le même style que le premier. Donc par contre, celui-là, il est à 3,99 €. Et pareil, c'est du bio. Alors entre nous, on a eu un peu la discussion sur le bio ou pas. C'est pas ce qui m'a fait acheter ces hauts-là. Hein. C'est vraiment le style, les couleurs et le prix. Donc le troisième est comme ça. C'est toujours le même style avec 3 boutons. Donc pareil, hein, le blanc avec un jean. Pareil, de toute façon, les 3, je pense les mettre avec des jeans. Donc manche 3/4 avec des petits motifs bleu marine très très foncé. Donc celui-là. 5,99 €. Il n'y a que le deuxième qui est passé à 3,99 €. Alors à Primark, j'ai aussi pris une valise. Voilà, je vous en ai déjà montré plusieurs modèles à Primark. Mais vraiment, mon coup de cœur a été pour celle-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment très très jolie avec toutes ses couleurs et ses dessins. Voilà, donc elle a 4 roues. Elle est ultra résistante. Donc les 4 roues, donc en plus c'est des 360. 360, ça veut dire tout simplement que vous pouvez tourner la valise et que vous pouvez la tirer debout. Vous n'êtes pas obligé de la pencher. Voilà, donc elle était à 50 €.
c'était, je l'ai eu à 25 euros, donc 50% moins cher. Voilà, vous avez aussi pour la tirer, si vous avez envie de la tirer, ou comme je vous disais, juste ça, et puis hop, elle roule comme ça. Donc c'est très pratique quand vous avez des enfants, ou et puis même quand vous la poussez comme ça, vous avez moins de poids que quand vous la tirez. Donc moi je trouve que c'est vraiment très très pratique. Voilà, donc ça c'est le poids de la valise vide. Donc à l'intérieur, vous avez deux compartiments, bien sûr. Hein. Vous pouvez mettre des choses des deux côtés. Et puis pour séparer, vous avez ça. Et vous pouvez mettre ici, je ne sais pas, vos papiers, vos médicaments, vos sous-vêtements, ce que vous voulez. Là, c'est de la paille, peut-être des chaussures même, peut-être. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros gros bisous, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si vous avez acheté le Tipeee, si vous avez eu du mal ou pas à le monter, et est-ce que ça donne la même chose que moi ou pas. Et dites-moi aussi les commentaires si vous avez la palette ou d'autres produits que moi. Dites-moi votre avis. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.